luc Messon, bonjour. Alors, on est dans votre belle maison ici, maison Messon, hein, ne pas confondre, maison Messon, à Belleville-en-Beaujolais, euh, une région où on mange bien, où il y a des jolis vins également, avec, euh, avec raisonnabilité, mais il y a des bons vins. Alors, euh, les fêtes approchent, hein, on est à quelques jours de Noël, quelques jours également euh, des fêtes de fin d'année. Présentez-nous un petit peu quels sont vos produits phares, hormis cette superbe pièce, un coussin de la Belle Aurore. Oui, alors bonjour. Euh, ce sont des produits effectivement de fête. On, on travaille déjà depuis plusieurs semaines sur euh, tous ces produits. Euh, le coussin euh, de la Belle Aurore, on a euh, monté ça. Euh, une pièce, on s'était dit une pièce. On va commencer avec une pièce et on pensait pas avoir un succès pareil. Enfin, faut dire que c'est quand même une pièce dans laquelle il y a pratiquement une dizaine de viandes. Il y a des, il y a des foie gras. Il y a peut-être même un peu de truffes Ça pèse 32 kilos, mais ça peut s'acheter également euh, à la tranche. C'est un joli plat de la gastronomie française et qui plus est de la gastronomie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est ça. Alors moi, je dirais plutôt qu'on on, on retrouve vraiment ça sur la région lyonnaise et euh, on, a, on a pris l'idée de faire ça il y, a, il y a une quinzaine de jours et au vu du succès rencontré sur la première pièce, on a décidé de tenir ça jusqu'au 24-25 décembre. Quelques mots euh, les viandes, la façon dont c'est préparé, les farces, la maturation, le temps qu'il faut pour le réaliser. C'est ça. Donc euh, sur certaines viandes, on a plus de 10 jours euh, de marinade. Euh, on a du foie gras, on a de la truffe, on a du perdreau, du pigeon, euh, du sanglier, du veau, euh, de la volaille. Euh, Qu'est-ce que j'en oublie encore Du riz de veau, euh, morille, pistache. Et c'est vrai qu'avec euh, avec des produits comme ça. Mis par couche, il ne faut pas mettre n'importe comment les viandes. Parce que ben oui, a... parce que certaines viandes cuisent moins vite ou plus vite que d'autres. Donc il faut équilibrer euh, dans, le, dans le pâté. Au niveau du montage, on est obligé de respecter un ordre précis. Et euh, au niveau de la cuisson également, euh, on, a, on, on a presque 8 heures de cuisson. Parce que c'est vrai que c'est des pièces que si on, on les brusque un petit peu trop, on, pas, on, va arriver, on, on peut les éclater on n'aura pas le, le résultat escompté. Et puis après vous ajoutez la, la gelée dans les dans les cheminées une fois que ça a un petit peu refroidi bien sûr. C'est ça donc les, la, la, la gelée elle s'incorpore en, en plusieurs étapes de façon à ce que la, la chair imbibe bien et, et que ça en garde le moelleux. Allez puisqu'on est dans les viandes présentez-moi quand même la reine des volailles le poulet de bresse alors un poulet de bresse effilé n'est donc là, là on est on est sur un un, un, un poulet un poulet effilé on n'est pas sur un chapon ça veut dire quoi poulet effilé et puis effilé ça qui il a été abattu plumé. pas effilé mignon hein, on est d'accord sur un filet mignon <laughs> là là on est sur donc un poulet qui a été abattu plumé et donc il y a juste l'éviscère qui a été enlevé et après à nous euh, à la vente pour que le Poulet soit prêt à cuire, ce qu'on appelle pack prêt à cuire, c'est à nous de le vider, c'est d'enlever le foie, le gésier et euh, les l'oesophage. Savoir que le, le poulet de Brest, c'est déjà une souche de poulet qui va grossir doucement, qui est élevé euh, essentiellement dans dans la nature et c'est fait de façon, il a une alimentation réduite pour qu'il aille piocher la richesse du terroir. Vous voulez dire les petits vers de terre, des petits trucs comme ça. Exactement. Alors aujourd'hui, la, la volaille de Bresse est la seule volaille en appellation. Okay. Je dis bien aujourd'hui parce qu'il y en a qui frappent à la porte euh, du okay. côté de l'Auvergne. On est d'accord. Maintenant, euh, ça reste un produit de qualité. Euh, sur les fêtes avec les chapons, les poulardes et les dindes de Bresse, on, on a encore un produit un peu plus raffiné. Mais euh, sur l'année, on a des volailles qui sont régulières du 1er janvier au 31 décembre. Là, là c'est pareil. Ça, ce sont des bêtes. Ce sont des bêtes qui ont été élevées dans l'un. Euh, on a... Ce sont donc des volailles andinoises. Exactement. Et là, on en voit la finition. On voit qu'on a une très belle finition. On a des, on, on a des filets. On a un état d'engraissement qui est parfait. Donc ça, euh, encore une fois, moi, ça, je préconise ça plutôt rôti, euh, plutôt rôti. Alors toujours pareil. La, 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 la cuisson, la cuisson est importante. Euh, bien remonter la volaille en température avant de la mettre en cuisson et euh, au niveau. Je vais dire par là la sortir du réfrigérateur un bon moment avant de la mettre au four. Comme, un peu comme toutes les viandes, je dirais. Et, et ensuite, ensuite on on va on va la retirer sur 220. 220, 230 au départ sur le premier quart d'heure et après la réduire, l'arroser. 160, 180? C'est ça, sur 160, 170 et ensuite surtout l'arroser. On fait tous nos fonds, on fait nos fonds et de la, de la tenir arrosée. Du bord de Bresse également, ça, ça fait du bien. Mais, mais, mais dites-moi, Jean-Luc, vous n'auriez pas des implantations ou des origines ou quelque chose dans la Bresse profonde parce que le beurre de Bresse, la volaille de Bresse, la crème de Bresse, deux choses. La, 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 problème, la problématique, c'est qu'on a grandi, nous, dans l'un. Je suis né à Bourg, donc forcément, on a nos racines. Et euh, la, partie, la partie Bresse et Dombe, où on a le domaine des batières, fait qu'on pioche, on pioche notre richesse de matières premières dans l'un. Bon, j'ai bien compris. Alors, on a vu euh, donc euh, la volaille. Maintenant, parlez-moi un petit peu de, 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 de moi ce que j'appelle des entremets, portions individuelles, traiteurs. Cette euh, entrée-là, on est sur une bûchette de Saint-Jacques qu'on a fait également en, en petite quantité. Euh, et là, vous on... dites en petite quantité, en portions individuelles. En portions individuelles et euh, on qui, a... qui sont déjà généreuses, hein, quand même. Oui, ben il voilà, faut, faut que ce soit gourmand. Il n'y a pas les entrées. Donc, on a, on, on a ici euh, de l'épinard et euh, noix de Saint-Jacques et écrevisse pour cette entrée. Donc, ça, c'est une entrée qu'on a fait également aussi en édition limitée pour cette année. Sur la partie, euh, la partie au centre, on est avec un dôme de noix de Saint-Jacques et citron vert, avec un biscuit moelleux dessous, légèrement, légèrement euh, épicé également. Donc pour amener un petit peu de fraîcheur sur la, la nonnette qui est au bout, on est avec saumon fumé, saumon fumé du fumé des Dombes. Donc encore une fois une maison, encore une belle maison. Encore une, une fois une maison à côté de chez nous. Une rillette de saumon, un œuf de caille, et puis pour amener un petit peu de, de légèreté à tout ça, on a eu un petit émincé de concombre au milieu. On a le petit poivron, on a le petit poivron de finition qui amène ce petit, ce petit croustillant et, et c'est vrai que la, le biscuit qu'on a dessous, je l'ai pas cité, mais le biscuit qu'on a dessous est, est un biscuit un, un petit peu séché qui amène le, le croustillant. Gaëtan Fière, c'est quoi la tendance 2020-2021 en matière d'art sucré Art sucré, sucré d'ailleurs, je rappelle à ce propos qu'en 2014, et, et, et vous n'avez que 30 ans aujourd'hui, à peine plus, donc vous étiez un tout jeune pâtissier, vous avez gagné le mondial des arts sucrés. Alors, c'est quoi la tendance aujourd'hui La tendance, c'est le moins de sucre, euh, le goût et surtout la légèreté pour une fin de repas qui soit un peu plus agréable. Parce que sur les fêtes, on sait qu'on a toujours tendance à manger un petit peu plus. Donc avec Baptiste et Jean-Luc, sur la bûche en édition limitée, on a vraiment travaillé sur le fruit, la légèreté, pour finir le repas tout en douceur. Et après, Baptiste avait déjà beaucoup travaillé sur les bûches, et c'est vrai qu'il a vachement travaillé sur aussi diminuer le sucre dans les desserts et dans les bûches qu'il fait, qu fait ici. Vous parliez, Gaëtan, de... De la sucrosité des, des desserts. C'est vrai que, d'une certaine manière, ce sont nos amis japonais qui nous ont appris à moins sucrer les, les desserts. Puis n'oublions jamais une chose c'est que le dessert, c'est la touche finale d'un repas. Alors, comment ne pas terminer un repas avec des mets, qu'ils soient de tous les jours ou des mets de fête ou des mets de fête, si on a la bouche empâter le sucre. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Là, on revient aussi sur, sur beaucoup sur le fruit, sur, les, sur la saisonnalité, c'est très important. Euh, et le sucre, il y en a dans tous les fruits, donc c'est à nous de nous adapter à ça aussi et de réduire au maximum le sucre, tout en gardant la petite touche qui va aussi rehausser le goût, le goût de ce qu'on de qu met dedans. Euh, avec la collaboration de Gaëtan Fiar, euh, on a réalisé euh, les bûches pour euh, les fêtes 2020-2021. Donc, euh, celle-ci, la bûche euh, en édition limitée. Et ensuite, on a travaillé euh, six bûches euh, différentes. Donc, euh, celle-ci, euh, la verger, qui se compose d de pommes façon tatin, d'un crémeux passion et d'un biscuit caramel. Ensuite, euh, la cueillette, une mousse au thé euh, fruits rouges. Ensuite, une compotée de fruits rouges, un biscuit moelleux euh, et un crémeux fruits rouges. Ensuite, la pulsion, c'est une mousse au chocolat au lait, euh, coulis de citron, crémeux de citron, euh, brownie euh, chocolat, citron vert et un croustillant praliné. Le, le noter, les vrais professionnels travaillent avec de la matière première de grande qualité. Valrona, c'est vraiment une, une maison qui a développé des produits de, de super qualité, euh, qui a été également euh, créatrice avec Gabriel Paillasson d'un autre concours qui met les pâtissiers, les glaciers, les chocolatiers à l'honneur. Euh, il contribue à développer la qualité des pâtisserie que vous réalisez Moi, je pars du principe que si je... Quand je goûte un dessert que je fais, si je ne trouve pas ce que j'ai mis dedans, même si je le sais, ce n'est pas intéressant, ni pour moi de le faire, ni pour le client qui va le déguster. Donc euh, on part vraiment sur des choses, on va dire, euh, basiques, forcément qu'on améliore aussi euh, d'année en année, mais il euh, faut que quand on croque dedans, sur la première bouchée, on sache ce qu'il y a dedans. La bûche, on, euh, enfin, pour ceux qui vont la goûter, ils vont croquer dedans, ils vont sentir la douceur de la poire, la force du chocolat, et c'est un mélange de tout ça qui fait que c'est euh, en texture, euh, en goût, c'est vraiment... Intéressant. Intéressant. Donc, c'est ça qui est le plus important pour moi. La douceur de la poire, la force du chocolat, est-ce que ça peut être votre leitmotiv, Gaëtan Merci, Gaëtan, merci, Baptiste, merci, Jean-Luc. Comme on dit chez nous à Rabelais TV, quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Exactement, merci. Belle fête, soyez gourmands et rappelez-vous qu'il faut respecter les gestes barrières. Six personnes maximum à table, mais vous pouvez très bien prendre des portions pour douze et en prendre deux par personne. Et bonne gourmandise et n'oubliez pas quauvergne rhône alpes et la région où il fait bon vivre, il fait bon manger et que le bonheur est dans l'assiette.